Oui, c'est très clair aujourd'hui. On laisse dans les stades des choses comme cela se produire. J'ai trois de mes joueurs qui ont été interpellés par la tribune avec de mimer des logiques de singe et des cris de singe. Et j'ai des gens qui me disent aujourd'hui dans un stade qu'il ne faut pas envenimer les choses et c'est des choses qui sont comme ça. On a banalisé en fait toutes ces situations. Aujourd'hui, en fait, le match de foot ne m'intéresse pas, le point ne m'intéresse pas, ce match-là ne m'intéresse pas, il est effacé dans ma mémoire. Mais par contre, si on laisse des choses comme ça se passer, on n'avancera pas. Et le problème, c'est que c'est toujours pareil. Il y a des gens qui arrivent à banaliser ce genre de choses, moi je ne les banalise pas. Et je serai toujours contre ça. Entraîneur du Red Star ou citoyen du monde, peu importe, pour moi c'est deux choses qui ne peuvent pas arriver. Et quand j'ai trois de mes joueurs qui arrivent et qui viennent me voir et qui me disent « coach, ils miment des bris de singe et tout ça », pour moi c'est inacceptable. Et en plus après, on a des joueurs de Nancy qui vont saluer leur public, c'est bien. Si on accepte ce comportement-là aujourd'hui, très bien. C'est pas mon cas. Et je me battrai toujours jusqu'à ma mort contre ces choses-là. Et j'espère que, en tout cas, ce public sera sanctionné, qu'il y aura des images, des sons ou des gens qui viendront témoigner de ces choses-là, parce que c'est inacceptable.